Salut à tous et à toutes, c'est Panix, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en scrim. Alors, je vous invite à faire pause sur l'écran de titre pour voir les joueurs qui sont face à nous et avec moi, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et pour représenter un petit peu le gameplay, nous sommes face à la Pyro. Pyro, donc, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que le roster de. Le roster est champion de France de Battlefield, si je me trompe. Et je préfère mettre les points sur l'i tout simplement parce que ce gameplay, je vais me mettre beaucoup en avant. C'est-à-dire que voilà, je mets ni en avant mes coéquipiers, ni en avant les adversaires, bien entendu. Et c'est pas une question de vouloir rabaisser les autres ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que quand je fais un gameplay commenté, que je commente par-dessus au lieu d'un listening. Je vais faire aussi des listening plus tard, mais voilà. Donc j'ai envie de gameplay qui sont bons, quoi, qui mettent la forme et qui vous fassent plaisir pendant que je parle, au lieu d'avoir un. Alors que pour un listening, j'ai plus envie d'un gameplay qui est compétitif, qui est serré, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc là, vous pouvez voir que je vais directement sur C pour essayer un peu de les emmerder. Les emmerder, ça va bien réussir à un long moment. Je vais même pas tuer le gars que j'ai vu en dessous. Je vais vraiment essayer de prendre ce point. Et puis de les empêcher d'aller tenir B. En attendant, je fais confiance à mes coéquipiers sur le B pour qu'ils le prennent. Et les soldats d'ailleurs qui ne sont pas enlevés encore en privé. Alors, je vous ai dit, les paramètres de partie sont pas encore changés. J'espère qu'on pourra enlever les bots parce que c'est vraiment, vraiment très chiant. Je pense que vous les remarquez, ils tirent dessus comme ça, ils peuvent vous tuer à force. Donc, c'est vraiment chiant en compétition. Donc, vous avez vu, j'ai pu voir aussi également à travers la petite grille un ennemi. J'en ai profité. Ensuite, je vais tout simplement vous parler de tellement de choses, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Le roster que vous voyez ici, on a expliqué un petit peu, on a fait ce team scrim samedi. C'était notre deuxième team scrim, le premier team scrim on avait fait contre les Osmos, sauf erreur. Et en fait le vendredi soir on s'est parlé, donc vous saviez que je voulais monter un roster avec Ricky. Et en fait... on avait fait pick-up pour justement l'Inspired que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et donc avec Circa, Zora et Luxus, pardon d'avoir un peu bugué, on a parlé et puis on s'est dit en fait que ce serait vraiment génial d'essayer de mettre de faire un roster les 5 ensemble. Du coup c'est ce qu'on a décidé d'essayer en Team Scrim. Alors, le premier test face aux Osmose, le premier match, on n'avait jamais joué ensemble et on était tellement bien placés, alors qu'on n'avait jamais rien fait ensemble, on s'est adapté rapidement, Ouais, bref, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré, personnellement, je trouve que la chimie du roster était géniale. Et donc, après avoir joué les Pyro, bon, ils l'ont dit sur leur Twitter, donc je pense que je peux le dire, on les a battus 5-0. C'était juste un test, donc voilà, c'est pas non plus un truc super sérieux, etc. Mais voilà, on était vraiment très contents de ce qu'on a fait. Les Osmose, pareil, c'est aussi un test, mais je vous dis, on a battu 3-0, c'est juste expliqué, c'est pas pour nous la péter. Et petit triple frag, sympathique. Vous voyez que sur le A, j'ai bien défendu un petit moment, mais je me suis pris une grenade. Franchement, c'était la chimie, elle passait vraiment bien dans le roster, je veux dire. La communication était vraiment bonne. Donc on a décidé de continuer ensemble. Donc l'Inspire ont quitté la structure, ils ont quitté leurs deux teammates, Atro et puis Vanyoz. Et donc on s'est créé un nom, donc on s'appelle les Covenants. Donc le nom du roster c'est les Covenants. Roster Titanfall 5v5, composé donc de Kiki en tant que capitaine, mais vous savez comment on fonctionne avec la somme, c'est pareil, hein. Capitaine ou pas, c'est tout le monde décide ensemble. Donc Ricky capitaine,
Circa, Zora, Luxus et moi pour finaliser la composition. Et franchement, ce... voilà, je suis vraiment aux anges parce que j'aime beaucoup le roster, les gens, on se barre bien et puis donc le mental, honnêtement, même comparé les snipings, j'adore Mick, Iz et que ce soit qu'on a joué avec Ricky ou avec Demp, mais c'est vrai que le mental, etc., les placements et tout, c'est vraiment tellement fluide que voilà, je suis obligé de faire une comparaison avec et je trouve que c'est franchement mieux. Mais je fais un gros cœur d'ailleurs à la Somme et à tous ses membres de la famille. Donc ensuite avec ce roster, donc il y avait Ricky, vous savez, qui était déjà chez Genius pour Forza, et en fait il avait pour projet de monter un roster Titanfall, et donc on a décidé de permettre d'accomplir sa promesse, et donc on a rejoint la Genius. Donc je sais que beaucoup nous diront ouais, Genius c'est pas connu, ça, qui c'est, etc. Et du coup, ce que je vous réponds, c'est que en fait, Genius est connu sur Forza ainsi qu'en Pro Club FIFA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du 11 contre 11, c'est-à-dire comme un vrai match de foot, mais sur du jeu vidéo, quoi, finalement. Et ils ont même été champions du monde. Champions du monde, oui, je crois. Bon, je crois, je crois que c'est ça. Et donc, ils marchent bien quand même à ce niveau-là, et c'est une structure qui est vraiment très, très, comment dire, ils font beaucoup de news, le forum est super bien foutu, et c'est vraiment très bien structuré. Donc, je suis aussi très content de pouvoir les représenter. En plus, les gens ont été très sympas, ils ont été super chaleureux. Et je peux pas ne pas penser à la synergie quand je suis rentré chez eux, parce que c'est aussi notre famille, donc du coup c'est la synergie. Vous voyez comment il m'a mis one celui-là, c'est abusé ces soldats. Donc pour résumer le tout, nous sommes Genius, dans la structure Genius, on compte bien les représenter, et ils sont venus à 4 sur ma gueule. il y a également et donc le roster s'appelle Covenant. Vous pourrez retrouver toutes les informations comme les arrobas de la structure, du roster, des joueurs ou également, et si j'arrive à ne pas avoir la flemme, et bien entendu voilà. Donc Genius Covenant, représentant Genius Esports. Ensuite ouais, ça va bientôt se finir le gameplay, ça va être très rapide, donc je pense que je vais vous parler dans le prochain gameplay, parce que c'est quand même un débat qui est assez long. Tout simplement, je pense que je vais enchaîner la vidéo, je vais faire une autre vidéo après celle-là. J'ai envie de vous parler un peu des règles par rapport au point de vue de des Anglais. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ESL Titanfall qui a été créé, il y a également MLG qui s'intéresse. Mais j'ai vu que sur ESL Titanfall, après il y a une première ODC pour tester des règles. Dans la deuxième ODC, ils ont mis des règles, c'est-à-dire qu'il y a droit à 3 titans maximum en même temps. C'est-à-dire c'est pas un joueur à titrer un titan, c'est vraiment 3 titans en même temps. Et après en domination, il peut y avoir très bien 6 titans en même temps dans une équipe. D'ailleurs, même le fusil à pompe est autorisé à être utilisé par un seul joueur. C'est juste pour parler un petit peu, pour pouvoir mettre en place la prochaine fois. Et je vous parlerai de ceci parce que personnellement, je trouve que ça perd toute notion de compétition. Et ceci n'engage bien entendu que mon avis pour l'instant. Donc je vais mettre les scores normalement. Ah, j'ai toujours pas fini avec la triple frag. 25-6 pour moi. Comme je vous l'ai dit, je me mets en gros en avant sur cette game. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je tiens aussi à vous remercier pour votre soutien, parce que je recommence à voir pas mal de commentaires, etc. Des gens qui nous soutiennent pour la structure et notre roster.
Bien entendu, je suis vraiment super content d'être dans ce roster et de d'avoir décidé de partir avec eux. Si jamais j'ai aussi changé de GT, donc maintenant c'est Genius, comme a écrit Ricky là dans le dans le dans le dans l'accueil, c'est Genius Panix. Et puis moi, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à poster un commentaire ainsi que des likes, mais je préfère les commentaires parce que j'adore vous lire, vraiment, honnêtement. Et puis un bravo à la Pyro qui ont très bien joué. Et je vous dis à la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.